Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Histoire d'un héros. Aujourd'hui, on s'attaque à Al-Mualim, mentor des assassins du Levant. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer la cloche. Et laissez-moi donc vous raconter l'histoire d'Al-Mualim. Rachid ad-Din Sinan, plus connu sous le nom de Al-Mualim ou de Vieil Homme de la Montagne, fut le mentor de la confrérie des Assassins du Levant jusqu'à sa mort en 1191. Il fut également le percepteur de son éventuel successeur, Al-Tahir ibn Lahad. Le désir d'Al-Mualim d'obtenir une pomme d'Éden l'amena à travailler secrètement avec les Templiers, ennemis jurés de son propre ordre. Malgré cela, les enseignements et le travail d'Al-Mualim durant sa vie eurent finalement une influence positive sur l'avenir des assassins. En 1162, Al-Mualim fut envoyé d'Alamout pour établir la forteresse de Masyaf en Syrie par Hassan le Jeune, chef de la confrérie levantine. Certains spéculaient que le facteur du départ d'Al-Mualim était un conflit idéologique, Al-Mualim cherchant à établir son propre ordre d'assassins, mais d'autres croyaient qu'il avait simplement reçu l'ordre de nourrir l'influence des assassins du Levant. Préfigurant sa trahison ultérieure, les rumeurs abondaient selon laquelle Al-Mualim était secrètement animé par une soif de pouvoir et de royauté. En 1176, Saladin et son armée sarrasine assiégèrent la forteresse de Masyaf. Al-Mualim, qui était alors en charge des assassins, avait envoyé le maître assassin Umar ibn Lahad pour infiltrer le camp sarrasin la nuit suivante. La mission d'Umar visait à laisser un avertissement pour Saladin en utilisant les informations recueillies par un espion qui s'était infiltré dans le camp. Umar réussit à laisser une plume et un poignard à l'intérieur de la tente du seigneur de guerre. Cependant, lors de sa fuite, il fut forcé de tuer un noble pour éviter d'être capturé. Le jour suivant, Saladin quitta le camp, laissa son oncle et son commandant en second, Silhab al-Din, aux commandes. Silhab se présenta aux assassins pour négocier la paix, affirmant qu'il partirait une fois que le tueur du noble aurait été exécuté. Il révéla qu'il connaissait Umar en raison de son emprisonnement de l'espion Ahmad Sofiane. Al-Mualim était réticent à abandonner Umar, mais ce dernier supplia son mentor de prendre la place d'Ahmad, bien qu'il ait fini par céder. Après la mort d'Umar, les Sarrasins quittèrent Masyaf. Incapable de supporter la honte subie par la mort d'Umar, Ahmad se trancha la gorge devant le jeune fils d'Umar, Al-Tahir. Le jeune garçon, profondément choqué, en informa Al-Mualim, qui cacha le corps et ne divulgua pas le suicide. Il fit promettre à Al-Tahir de ne jamais révéler ce secret. Il décida également qu'il allait à présent être formé avec le fils d'Ahmad, Abbas Sofiane. Il servit de professeur aux deux jeunes garçons et leur enseigna l'art de la confrérie. Malgré l'ordre d'Al-Mualim, Al-Tahir révéla le sort de son père à Abbas une nuit. Lors d'un entraînement suivant, Abbas demanda à l'instructeur Labib s'il pouvait utiliser de véritables épées plutôt que les épées en bois traditionnellement utilisées. Très content de l'initiative, Labib autorisa Abbas et Al-Tahir à s'affronter amicalement en utilisant les vraies épées. Mais au lieu de procéder à l'entraînement normalement, Abbas attaqua violemment Al-Tahir au point de mettre en danger sa vie. Al-Mualim fut contraint d'intervenir et envoya les deux garçons au cachot pour un mois. Il décida également de prolonger d'un an l'entraînement d'Abbas, alors qu'Al-Tahir devenait un assassin à part entière. En 1189, les croisés mirent à leur tour le siège sur Masyaf, et Al-Mualim fut pris en otage par Arras, un assassin qui avait passé l'arme à gauche du fait de sa lente progression au sein de la confrérie. Arras tua quelques assassins également otage, mais Al-Mualim fut sauvé par Al-Tahir qui élimina le traître. S'ensuivit une discussion au cours de laquelle Al-Mualim loua Al-Tahir et lui fit remarquer qu'il faisait honneur à son père. En 1191, Al-Mualim envoya Al-Tahir et les frères Al-Saïf récupérer un trésor caché sous les ruines du temple de Salomon à Jérusalem. Toutefois, la mission eut une issue tragique à cause de l'ego d'Al-Tahir et Kadar fut tué. Al-Tahir revint les mains vides à Masyaf et se présenta devant son maître. Pendant que celui-ci le sermonnait, Malik se présenta avec le trésor, mais gravement blessé au bras. Malheureusement, leur triomphe fut d'une courte durée, car Robert de Sablé avait suivi Malik et mis le siège devant Masyaf.
Hérétique! Hérétique! Rendez-moi ce que vous m'avez volé! Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues un jeu dangereux! Ce n'est pas un jeu, je te l'assure! Tu l'auras voulu! Amenez l'otage! Oh! Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer! Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort! Ils l'appellent de leur vœu! Elle est leur récompense! Parfait! Ils vont la côtoyer de très près! Suis-moi, et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur! Dieu vous appelle! Suite à cela, Al-Mualim rétrograda Altaïr à cause des principes du credo qu'il avait bafoué et lui retira ses biens et équipements. Puis il l'envoya chercher un traître qui avait ouvert les portes de la ville aux Templiers. Grâce à ses recherches, Altaïr identifia le traître comme étant un dénommé Massoun, puis il le conduisit devant Al-Mualim. Le vieil homme tenta de faire se repentir le traître, mais celui-ci n'y consentit pas. Al-Mualim le tua donc avec une épée qu'il confia ensuite à Altaïr. Après la mort de Massoun, Al-Mualim offrit une chance à son disciple de retrouver son rang en lui montrant une liste comportant les noms de 9 personnes qui devaient être supprimées. Il les décrivit comme des tyrans dans leurs cités respectives, ce qui justifia la tâche d'Altaïr. Après chaque assassinat, Altaïr devait rendre compte de sa mission à Al-Mualim qui lui rendait progressivement son rang. La première cible d'Altaïr fut le marchand d'armes Tamir et Al-Mualim donna les renseignements nécessaires, puis Altaïr fit le travail avant de revenir parler à son mentor. Tu t'es bien comporté, Altaïr. Je suis sûr que c'est le premier succès d'une très longue série. Tamir semblait bien vous connaître. Selon lui, la portée de mes actes me dépasse. La portée d'un acte seul est difficile à saisir. Il faut le voir dans son contexte global. Alors, on peut en comprendre les conséquences. Il y aurait donc des choses que j'ignore. Altaïr, c'est parce que tu en savais trop que tu as échoué autrefois. Si je te cache certaines informations, c'est afin de m'assurer que tu ne commettras pas la même erreur. Je vois. Non, tu ne vois pas. Et tant que tu n'auras pas retenu la leçon, il en sera ainsi. Pourtant, tu as fait preuve d'un certain talent. Tu as mérité de gravir un échelon et de récupérer une partie de ton équipement. Maintenant, rejoins Hak ou Jérusalem. Il y a dans ces deux villes des hommes qui réclament ton attention. Les chefs de cellule t'expliqueront ce qu'ils attendent de toi. Ceci étant fait, une partie de l'équipement d'Altaïr lui fut restaurée et il fit route vers Acre, où se trouvait sa nouvelle cible, Garnier de Naplouse. Une fois la vie de Garnier prise, Altaïr retourna une nouvelle fois à Massiaf pour informer son maître de sa progression. Qu'as-tu à m'apprendre, Altaïr ? Garnier de Naplouse est mort. C'est parfait. Nous ne pouvions espérer un meilleur dénouement. Et pourtant... Qu'y a-t-il ? Le docteur m'a dit que son travail était noble. En y repensant, ceux qui étaient censés être ses captifs semblaient lui témoigner de la reconnaissance. Pas tous, mais assez pour que je m'en étonne. Comment est-il parvenu à s'attirer les faveurs de ses ennemis ? Les chefs trouvent toujours un moyen de se faire obéir. C'est ce qui fait d'eux des chefs. Les paroles ne suffisent plus, ils essaient l'argent. Et si cela ne suffit pas, ils emploient des méthodes plus viles encore. Ils les soudoient, les menacent à Altaïr. Dans des pays lointains, il existe des plantes qui peuvent priver un homme de l'usage de ses sens. Le plaisir qu'elles procurent est si intense qu'on peut en devenir l'esclave. Vous pensez que ces hommes ont été drogués, empoisonnés ? Oui, si ce que tu me décris est vrai. Des plantes, un moyen de contrôle très étrange. Nos ennemis m'ont accusé d'en utiliser. La promesse du paradis. Ils pensent que c'est un jardin où abondent les femmes et les plaisirs.
Il pense que, comme garnier pour ses hommes, je t'ai drogué pour te tenter. Ils ne connaissent pas la vérité. Et ils ne doivent pas la connaître. Mais pourtant, s'ils savaient que nous nous battons pour la paix... Alors ils n'auraient plus peur de nous, et nous ne pourrions plus les atteindre. Va, poursuis la mission que tu as commencée. Tu gravis un nouvel échelon, et nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Altaïr gravit un nouvel échelon et ne revient qu'après avoir éliminé Talal à Jérusalem. Tu es en bonne voie. 3 de tes 9 cibles sont déjà mortes. Je t'en félicite. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Cela ne fait que commencer. Je suis à vos ordres, maître. Enhardi par la prise d'Acre, le roi Richard se prépare à faire route au sud vers Jérusalem. Salah ad-Din ne peut l'ignorer. Il va, selon toute évidence, rassembler ses troupes devant la citadelle en ruine d'Arsouf. Voulez-vous que je les tue tous les deux, pour mettre un terme à cette guerre avant qu'elle n'éclate ? Non. Leurs forces se disperseraient, et notre terre serait à la merci de 10 000 guerriers sans chef et avides de sang. Il s'écoulera plusieurs jours avant leur affrontement. Tant qu'ils se déplacent, ils ne se battent pas. D'autres choses qui nous préoccupent dans l'immédiat. Ceux qui gouvernent en leur absence. Nommez-les, et je verserai leur sang. Très bien. Abul Nukud, l'homme le plus riche de Damas. Maj Dadin, le régent de Jérusalem. Et Guillaume de Montferrat, seigneur d'Acre. Quels sont leurs crimes ? L'avidité, l'arrogance. Ils ont massacré des innocents. Rends-toi dans leur cité et mêle-toi à la foule. Ainsi, tu apprendras tous leurs secrets. Ces hommes sont des obstacles à la paix, n'en doute point. Alors ils vont mourir. Nous te restituons un nouvel objet. Prends-le, et fais-en bon usage. Reviens me voir après chaque mission. Nous devons mieux comprendre leurs intentions. Altaïr récupéra ensuite son équipement et fit route vers Damas, afin de mettre fin à la vie du prince des marchands, Abul Nukud. Et il ne revient qu'une fois, sa tâche accomplie. Approche, Altaïr. J'ai à te parler. Je vous écoute. J'ai été informé de ta réussite. Tu as toute ma gratitude ainsi que celle de tout le royaume. En libérant ces cités de l'emprise de ces tyrans, tu as œuvré pour la paix, cela ne fait aucun doute. Vous en êtes vraiment sûr ? L'immoralité de ceux qui gouvernent finit toujours par gagner le peuple. En chassant la corruption de ces villes, tu as purifié le cœur et l'âme de leurs habitants. Nos ennemis m'ont dit le contraire. Que veux-tu dire ? Les confessions de ceux que j'ai tués étaient assez inhabituelles. Ils ne regrettaient rien. Même à l'heure de mourir, ils semblaient sûrs de leur réussite. Ils ne me l'ont pas avoué, mais... il existe un lien entre ces hommes. J'en suis persuadé. Il y a une grande différence, Altaïr, entre la vérité qu'on voudrait nous faire croire et celle que nous percevons. La plupart des gens ne font pas la distinction. C'est la voie de la facilité. Le Hashishiyun, lui, ne se laisse pas abuser. Il s'interroge. Mais alors, quel est le lien qui unit ces hommes ? Ah, un vrai Hashishiyun se doit de faire taire ses pensées en s'en remettant à son maître. Car il ne peut y avoir de paix sans ordre, et d'ordre sans autorité. J'ai du mal à vous suivre, maître. Vous me demandez d'être lucide, et puis ensuite de ne plus l'être. Que dois-je faire ? La réponse t'apparaîtra quand tu n'auras plus à poser cette question. Ce n'est pas pour me faire la leçon que vous m'avez fait venir. Très bien. Tu gravis un échelon et tu récupères un objet. 2 seigneurs sont encore en vie. Va, il est temps de mettre fin à leur règne. Altaïr fut une nouvelle fois promu et une nouvelle arme lui fut restituée. Il prit le chemin d'Acre afin d'assassiner Guillaume de Montferrat. Une fois ceci fait, il fit son rapport auprès du chef de cellule avant d'entamer le voyage de retour vers Masyaf, méditant sur les paroles énigmatiques de sa cible. Alors Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Mais attention, mon garçon, je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu.
pas perdu, dérobé par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurai plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, Domine, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salah Ad-Din ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes. Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. Altaïr quitta ensuite la ville pour prendre la vie de Majd Ad-Din à Jérusalem. Puis une fois sa mission accomplie, il se présenta de nouveau devant Al-Mualim. Entre Altaïr, es-tu bien reposé ? Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves ? Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majd Ad-Din était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte, avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi ? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden, qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor ? C'est la Tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je censé voir ? Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève. Transformé un bâton en serpent, fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie, et un pauvre charpentier a changé l'eau en vin. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il ? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde. Ou de quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets, pour être prêts quand ils l'auront. Talal les approvisionnait, Tamir les équipait. Ils préparaient quelque chose. Mais quoi ? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens. De parfaits soldats. Dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé.
Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de deux autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche un nommé Sibrand. À Damas, un certain Joubaïr. Consulte les chefs de cellule. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Tes agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Altaïr gravit un énième échelon et fit route pour Damas, où il devait supprimer un érudit du nom de Joubaïr al-Hakim. Après s'être acquitté de sa tâche, il fit le chemin inverse pour en référer à son mentor. Quelles sont les nouvelles ? Ça y est, ma lame a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin, et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je ? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Joubaïr et Sibrand ? Ah, ne vois-tu pas ? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible ? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité ? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde ? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender ? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace ? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servir pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Altaïr retrouva un rang supérieur et acquit une nouvelle arme avant de se diriger vers Acre, où Sibrand l'attendait. Une fois le Teutonique éliminé, Altaïr parla brièvement au Rafik, puis se hâta de rejoindre Massiaf pour y discuter avec son mentor. Nous touchons au but, Altaïr. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à De Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui et non. Comme nous, il rêvait. Il rêve encore de paix. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Non, Altaïr. Comment peux-tu être à ce point aveugle alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux ? Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans ? À un monde plus solidaire ? Je respecte son ambition, je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend. Et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange de penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes.
La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Pars, Altaïr. Il est grand temps d'en finir. Altaïr retrouva son rang initial, celui de maître assassin, et pour l'aider dans sa tâche, Al-Mualim lui confia une épée similaire à sa première. Lorsqu'Altaïr poignarda mortellement Robert, il ne s'attendait pas à ce que son ennemi de toujours lui révèle l'impensable. Al-Mualim était en fait un Templier qui les avait trahis par le passé. Il se justifia en invoquant la précision des renseignements dont le vieil homme disposait sur chacune des 9 cibles. Enfin, il termina en disant que la seule différence qui existait entre lui et Robert était qu'Al-Mualim voulait le pouvoir pour lui seul, alors que Robert pouvait le partager. Altaïr revint à Masyaf en urgence pour y découvrir que les habitants avaient tous été hypnotisés par les pouvoirs de la pomme. Heureusement, Altaïr et quelques autres assassins ne furent pas affectés par les pouvoirs du fragment, et après avoir gagné la forteresse grâce à l'aide de Malik, Altaïr confronta son maître qui l'utilisa la pomme pour paralyser ce dernier. Oh ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon disciple est de retour. Je ne me suis jamais enfui. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Que vais-je faire de toi? Laissez-moi partir. Oh, Altaïr. Tu dissimules mal ta haine. Je la ressens. Te laisser partir? Voilà qui serait bien imprudent. Pourquoi faites-vous cela? J'ai trouvé la preuve. La preuve de quoi? La preuve que rien n'est vrai. La preuve que tout est permis. Venez, tuez le traître! Il n'a pas sa place en ce monde! Malgré son infériorité numérique, Altaïr se défit de ses adversaires, mais fut paralysé de nouveau. Al-Mualim créa ensuite des fantômes de lui-même, mais Altaïr triompha à nouveau. Affrontez-moi! Auriez-vous peur? J'ai fait face à plus de 1000 hommes. Tous étaient plus puissants que toi. Et tous sont morts. Par ma main. Tu ne me fais pas peur. Prouvez-le. Que pourrais-je craindre? Personne ne peut plus rien contre moi. À nouveau en incapacité de bouger, Al-Mualim expliqua ses motivations. Qu'as-tu à dire avant de mourir? Vous m'avez menti. Vous condamniez De Sablé alors que vous partagiez ses ambitions. Je n'ai jamais aimé partager. Vous ne vous en tirerez pas. D'autres trouveront la force de se dresser contre vous. Et c'est pourquoi, tant que les hommes auront leur libre arbitre, il ne pourra y avoir de paix. J'ai tué le dernier qui tenait ce discours. Quelle audace, mon garçon! Mais ce ne sont que des mots. Dans ce cas, relâchez-moi et vous verrez bien. Dites-moi, mais... pourquoi ne m'avez-vous pas formé comme les autres? Pourquoi m'avoir laissé mon libre arbitre? Un homme agit toujours en fonction de ce qu'il est. Je ne pouvais pas prendre le risque de t'affaiblir. Et ces Templiers devaient mourir. Mais la vérité, c'est que j'ai essayé. En particulier, quand je t'ai montré le trésor. Mais tu n'es pas comme les autres. Tu as vu au-delà de l'illusion. De l'illusion? C'est là sa raison d'être. Le trésor des Templiers. L'orbe d'Éden. La parole de Dieu. Comprends-tu maintenant? La mer Rouge qui s'ouvre. L'eau qui se trouve changée en vin, Eris qui provoque la guerre de Troie, rien n'aurait été possible sans ceci. Tout cela n'était qu'illusion. Votre plan n'est rien d'autre qu'une illusion. Forcer les hommes à aller contre leur volonté.
Est-ce vraiment moins réel que les fantômes que poursuivent les Sarrasins et les Croisés en ce moment? Que la lâcheté de leurs prétendus dieux pour lesquels les hommes vont jusqu'à s'entretuer? Ils vivent déjà dans l'illusion. Je leur en propose une autre moins sanglante. Mais c'est à eux de faire leur propre choix. Un choix? Se convertir ou passer pour un hérétique? Vous vous trompez. Ah, voilà que la logique t'abandonne pour céder la place à l'émotion. Vraiment, tu me déçois. Alors nous sommes dans une impasse. Quoi que je te dise, je n'arriverai pas à te convaincre. Il est encore temps de renoncer à vos sombres desseins. Tu as raison, nous sommes dans une impasse. Oui, effectivement. Tu me manqueras, Altaïr. J'ai toujours vu en toi mon plus brillant disciple. Ayant fini de parler, Al-Mualim affronta Altaïr en duel, et malgré l'habileté de l'assassin, Al-Mualim utilisa la pomme pour se téléporter à travers le jardin. Toutefois, Altaïr triompha de son maître en perçant l'illusion créée par la pomme. Impossible. L'élève ne peut pas vaincre le maître. Vous me l'avez appris. Rien n'est vrai, tout est permis. C'est fini. Tu as gagné. Tu mérites amplement ta récompense. Vous déteniez un pouvoir immense. Vous auriez dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et de ramener la paix? Jamais. Alors je le ferai. C'est ce que nous verrons. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Eh bien, tu as dit que tu voulais le détruire. Je ne peux pas. Oh si, tu le peux, Altaïr. Mais le veux-tu? Après sa mort, Altaïr devint à son tour mentor de la confrérie levantine. Préférant s'assurer de la mort d'Al-Mualim, et bien que cela fût contraire aux us et coutumes de la confrérie et de la région, il brûla le cadavre de celui qui fut autrefois son mentor. Toutefois, un certain nombre d'assassins s'opposa à cet acte, et Altaïr dut essuyer une révolte. Al-Mualim, bien que connu pour être un leader sage à la voix douce, s'est parfois montré mystérieux et imprévisible. Il ne parlait jamais de choses trop personnelles ou suspectes à son sujet, changeant de sujet ou donnant une réponse inattendue lorsque les gens commençaient à l'interroger profondément. Il ne s'est guère révélé et l'on ne sait presque rien de ses débuts, et encore moins de son devoir de maître des assassins. Grâce à ses efforts, l'ordre devint une faction bien connue mais obscure, inspirant la peur et l'incertitude dans tout le pays, et répandant des rumeurs qui ne firent qu'accroître la réputation déjà légendaire de la confrérie. En tant qu'érudit, Al-Mualim accordait de l'importance à l'éducation, passant une grande partie de son temps dans la forteresse de Masyaf à étudier les livres de sa bibliothèque. Il avait une compréhension approfondie de divers sujets, allant de la philosophie à la science. En plus de prêcher l'objectif de paix en toute chose de la fraternité, il insistait sur le fait que le credo poussait à la paix en soi. Également, à une occasion, il conseilla à Altaïr de ne pas diaboliser ses ennemis. Cependant, Al-Mualim se révèle finalement égoïste, manipulateur, trompeur et hypocrite. Il est lui-même un templier et a l'intention d'utiliser la pomme d'Éden pour contrôler les esprits de toute l'humanité. À cette fin, il manipula ses assassins pour obtenir le fragment d'Éden et éliminer ses anciens alliés templiers afin qu'il puisse avoir l'appareil pour lui tout seul. Lorsqu'il s'entretient avec Altaïr, il adopte des points de vue qu'il ne partage pas lui-même, comme celui selon lequel la paix doit être comprise et acceptée plutôt que forcée. On ne sait pas s'il a vraiment défendu ses opinions ou s'il a fait une fois, mais il y a renoncé par la suite en raison des croyances des templiers. Néanmoins, malgré tout, Al-Mualim ne souhaitait en fin de compte que la paix pour l'humanité, mais il pensait que la perte du libre-arbitre était un prix acceptable à payer pour atteindre cet objectif. Et bien qu'il n'eût peut-être pas cru à tout ce qu'il a enseigné à Altaïr, ses enseignements eurent un impact profond sur son apprenti, et donc sur l'avenir
des assassins. En 2014, le Templier Joani Otzoberg plaça Al-Mualim parmi ses inspirations du fait de son allégeance aux idéaux des Templiers, admettant qu'il s'agissait d'un exemple probant de la façon dont la guerre assassin-Templier aurait pu s'achever si les assassins avaient accepté de partager les idées des Templiers plutôt que de fonder leurs idéaux sur la liberté.